Bien, salut à tous les amis, c'est Virtu, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part du 6ème épisode de ma série Les couleurs classes sur GTA 5. Donc la couleur est actuellement sur ma voiture, donc vous pouvez voir que le résultat est un peu différent de ce que j'avais pu vous proposer un peu auparavant. Donc là il y a, on va dire, trois couleurs sur la voiture. Donc il y a un vert, un bleu et un sorte de chrome qui n'est pas du chrome, je tiens à le préciser, c'est pas du chrome. La deuxième couche qui est en bas du véhicule n'est pas du chrome. On pourrait croire que c'est du chrome, mais ça n'en est pas. Donc pour cela, vous allez tout simplement vous rendre à Los Santos Custom. N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis sur mes couleurs et à m'en proposer d'autres en commentaire ou en message privé YouTube. Ça me fera vraiment plaisir. Et pourquoi pas lâcher un petit like si jamais cette couleur vous a plu. Donc moi je vais mettre une couleur noire, voilà, je vais mettre donc le chrome, c'est ça. Et en dessous on pourrait croire que c'est un peu du chrome alors que ça n'est pas du tout. Je vais vous montrer un peu tout ça après. Donc voilà, je mets une couleur noire pour tout. Comme ça je recommence mon véhicule un peu à zéro. Donc vous allez tout simplement aller dans couleur principale, métalliser, et vous allez chercher le vert olive qui se trouve ici. Donc le résultat déjà comme ça est pas beau du tout, je vous l'accorde. Il est pas beau mais pas du tout. Donc vous prenez le petit vert olive, vous allez tout simplement aller dans le nacré. Et là vous avez le choix. Vous pouvez très bien prendre une autre couleur. Personnellement moi je veux prendre le bleu ultra parce que c'est avec ça que ça rend le mieux. Après il y a le vert qui est plutôt pas mal. Après c'est à vous de décider. Moi je vous donne des idées de couleurs. Après vous pouvez très bien les modifier à votre sauce. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc vous mettez un petit bleu ultra qui est numéro 54/75. Donc vous voyez déjà que le résultat commence à être plutôt satisfaisant. Alors que si on regarde la couleur vert olive qui n'est pas belle du tout. Donc vous prenez le bleu ultra et en couleur secondaire vous allez tout simplement aller dans métaux et prendre le acier noir brossé. Quand vous allez l'acheter, le nacré va aussi se mettre sur sur le métaux et du coup le résultat va vraiment être magnifique. Je me répète, c'est vrai, je me répète, mais bon, je sais pas trop quoi dire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est vraiment très important pour moi que je sache si vous aimez vraiment mes couleurs. Après certes c'est mes goûts, moi personnellement je les aime bien. Il y a un abonné qui m'avait proposé cette couleur exacte, une couleur similaire, mais je l'ai un peu changé étant donné que cette couleur là je l'avais déjà sur une de mes voitures il y a pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde.